je vais vous préparer une coquille Saint-Jacques avec un petit peu de jus de porc, donc qui va être bien sûr braisé, et ensuite nous allons faire rôtir la joue de porc avec quelques navets, des petits navets tout jeunes. Nous allons aussi utiliser des matsutake mushrooms avec ceci. Et puis à la fin, nous allons faire une jolie coquille Saint-Jacques, donc qui va être poêlée et finie d'être rôtie au four. Et nous allons finir le plat avec des navets crus qui vont être juste coupés très fin à la mandoline, et aussi quelques tranches de matsutake, mais aussi quelques tranches de truffe. Nous allons accompagner ça avec un fond de céleri. Alors ici vous avez le céleri en branche et le céleri root, le céleri rave, en français, je m'excuse. Des champignons crus et cuits. Donc champignons, comme je vous l'ai dit, on utilise des matsutake. Vous pouvez utiliser bien sûr les champignons que vous trouvez en saison. Donc vous pouvez trouver des chanterelles ou des trompettes de la mort. Et si vous ne trouvez pas de champignons sauvages, vous pouvez trouver des shiitake. Et donc vous faites votre fond de céleri. L'idée, c'est de le faire le jour d'avant, donc vous n'êtes pas trop stressé. Si vous ne trouvez pas de joue de porc, et ben à ce moment-là, vous utilisez un petit peu de bacon. Hein. Donc vous pouvez utiliser du bacon à la maison, c'est assez facile. Et du bacon un petit peu blanchi avant, comme ça il n'y a pas trop le goût de fumé ou de salé. Et puis, c'est tout.